Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Ziastim et aujourd'hui je vous présente le tuto de la sacoche Yel. Elle est réalisée dans un tissu de chez RL Tissu et tous les accessoires viennent de chez RL Tissu, que ce soit la sangle, que ce soit la boucle, que ce soit la popeline de l'intérieur ou la toile de l'extérieur. Nous allons la réaliser ensemble, donc je prends exactement les mêmes fournitures. Cette sacoche, c'est un tuto des bobines pattern revisité aujourd'hui donc en sacoche Yel avec un porte-clés et une poche intérieure, plus une boucle façon cartable. Donc on va réaliser certaines pièces que je vais vous montrer d'abord en situation. On va réaliser en tout premier lieu la poche. Vous pouvez l'avoir sur l'extérieur du sac ou au choix à l'intérieur du sac. On va réaliser ce petit porte-clés. Et on va faire la pose donc de cette sangle, puis de cette boucle qui nous permet de fermer le sac. Comme vous le voyez, le tissu très très sympa, façon jeu vidéo, c'est drôlement chouette. On a créé aussi ce protège-épaule. Voilà, donc si vous connaissiez déjà la sacoche, l'ancien tuto des bobines, bah c'est la sacoche 2.0, la sacoche Yel revisitée avec tous ces accessoires hyper utiles. Donc le protège-épaule, la boucle, le porte-clés. Et la poche arrière pour mettre exactement en place une pochette de carte bleue. Donc c'est parti pour ce tuto, je vous montre les pièces. Alors, il va nous falloir déjà deux petits morceaux de sangle. Alors je vais devoir vous montrer comment on les pose sans pour autant pouvoir vous montrer avec cette boucle là puisque je n'en avais qu'une. Donc je vais faire tout comme si je la mettais sauf que je ne pourrais pas la mettre. Donc une et deux. Voilà, deux petits morceaux de sangle. Là, la longueur, c'est environ 15 cm, 14-15 cm. Ensuite, il vous faudra la partie poche qu'on va plier en deux sur l'extérieur, dont on va venir coudre les côtés. C'est une des premières choses à faire. Voilà, on va venir coudre les côtés et couper les angles pour pouvoir la retourner. Ensuite, on va créer avec ceci le porte-clés. Donc il vous faudra soit, alors ici j'ai mis un anneau de porte-clés, l'idéal étant un anneau en D, donc ça fait un rond comme ça et une barre comme ça. Vous regarderez sur RL si vous le trouvez, et sinon utilisez un anneau, utilisez un anneau de porte-clés recyclé, ça ira très 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 bien. Vous voyez, le porte-clés reste bien à l'intérieur du sac, tout est conçu de façon à ce que tout soit compact. Donc vous avez trois fois la pièce extérieure à découper. Donc là, c'est une super toile de chez RL. Donc trois fois. Voilà. Et vous avez à la découper deux fois dans le tissu doublure. Alors le tissu doublure, celui-ci n'est pas de chez RL. Il est moins joli que celui que j'ai utilisé pour réaliser ma pièce définitive qui a un aspect un peu... C'est une popeline avec un aspect un peu jean. Donc elle sera dans le kit. Ce sont des kits qui vous sont proposés. Là, c'est une simple popeline noire, elle est un peu moins jolie. Ici, ce sont les pièces du protège-épaule. Voilà. On a deux fois cette bande noire. Alors, une fois la bande noire tout autour de la doublure. Voilà. C'est pour créer, en fait, cette partie. C'est pour créer la profondeur du sac, vous voyez. C'est ça, c'est cette partie-là, en fait, qu'on vient mettre tout autour. Donc, deux pièces comme ça. Comme elles n'ont pas d'envers et pas d'endroit, j'ai mis une petite croix. Donc on va les coudre endroit sur endroit, elles aussi, mais en insérant la bande comme ceci. Donc je vous montre sur la doublure comment on fait. Peut-être que sur noir, vous n'allez pas trop voir, donc je vous le ferai après sur l'autre. En fait, on vient mettre la bande comme ça tout autour. On fait bien attention à ses angles. On continue. Alors pour être sûr d'être régulier, mon premier conseil, alors là c'est bien le côté arrondi, on vient repérer le milieu avec une épingle, le milieu du bas. Entraînez-vous d'abord sur la doublure. Voilà, avec une épingle. Ok. Donc ici, c'est mon milieu. Et on peut également essayer de repérer le milieu de sa bande. Et de se dire, ok, l'un contre l'autre. C'est déjà comme ça qu'on démarre au mieux. Hop. Milieu de la bande. Donc ça, c'est bien mon vert. Et on va venir mettre le milieu de la bande sur le milieu du sac.
du bas de la sacoche. Et ça, c'est la doublure. Alors, pour la doublure, attention, on va prendre une petite précaution. On va décider que d'ici, et ensuite on prend la largeur de 4 doigts, voilà, jusqu'à peu près l'angle. Donc d'ici à là, d'un côté, on ne ferme pas. Donc on met une deuxième épingle. Sur cette distance-là, on ne ferme pas, voire un petit peu plus, puisqu'il va quand même falloir passer la main. C'est par là qu'on va retourner la sacoche. Après le reste, vous posez bien la bande tout autour. Moi, je les fais toujours un petit peu plus longues, histoire d'être tranquille et puis de bien gérer mes angles. Les angles, vous pouvez facilement les gérer en posant sur l'arrondi des épingles. Comme ceci, voilà. Vous voyez, on met bien des épingles tout autour. Et quand on gère bien l'arrondi, ça devrait se passer pas trop trop mal. Ici et ici. Voilà. Et donc, ici, vous voyez, ça va faire quelque chose comme ça, si vous voyez en volume. Voilà, ça va faire quelque chose comme ça qui fait vraiment le tour de votre sac. Voilà, comme ça. Alors, je me mets en dessous. Je crois que je n'étais pas sur la caméra, pardon. Donc, voilà, ça va faire quelque chose comme ceci, vous voyez. Ça fait comme un contenant un peu, avec un bord. Je pense que là, vous voyez bien. Donc c'est vraiment cette bande, elle est créée pour donner une profondeur à votre sacoche. Là, vous voyez bien comment ça va se positionner. Et puis après, on viendra mettre l'autre côté. Vous laissez juste bien ouvert sur cette distance-là, 4 doigts. Vous voyez ? Donc là, il faut vraiment laisser ouvert cette partie. Sur l'autre côté, vous pouvez tout coudre. Donc la première chose à faire, c'est venir coudre cette bande ici. La seconde chose à faire, c'est venir coudre. On va le faire ensemble tout de suite. Les côtés de notre poche, comme ça la poche est réalisée. C'est très simple, donc on va faire des points à 1 cm. On fait des points d'arrêt au départ, à l'arrivée. Si on veut, on fait des nœuds. Les deux méthodes me vont à moi. Vous voyez, là j'ai fait des points d'arrêt, hop, et puis de l'autre côté j'avais fait assez de fil pour faire des nœuds. Hop. Donc là il y a des points d'arrêt, puis là on peut nouer, ça c'est nouer tout seul, mais on peut nouer aussi de l'autre côté. Voilà. Ce qui compte, c'est de couper vraiment l'angle comme ceci pour pouvoir, alors vraiment bien droit, pour pouvoir retourner plus facilement après la pièce. Donc même chose de l'autre côté. Alors on peut faire des points d'arrêt ici. Voilà. On suit bien le bord, on coud à 1 cm. Voilà. On peut utiliser le coupe-fil, on peut faire des nœuds au bout, on fait vraiment comme on a envie. L'important, c'est de bloquer les coutures. Voilà. Alors, je vous ai bougé. Donc ici, vous voyez ce que je viens découper, c'est vraiment ça. Clac. Je viens jusqu'à la couture. Ensuite, il n'y a plus qu'à retourner. Et moi, j'aime bien utiliser la pince Bruxelles pour venir pousser les coins. Ça abîme beaucoup moins que d'utiliser une paire de ciseaux. Voilà. Hop, on fait des jolis coins. Et là, vous avez la place à glisser. Alors, en réalité, j'ai fait un peu plus petite celle-ci parce que j'avais plus assez de tissu. Vous voyez, je peux presque faire deux pochettes avec. Vous voyez que le modèle réel est un peu plus large comme ça ici. Et on peut glisser comme ça, coucher une pochette de carte bleue. Là, dans celle-ci, on pourra glisser par exemple une carte de bus, une carte de cantine, etc. Tout dépend pour qui vous la faites, pour un monsieur ou pour des ados. Donc ici, on a notre poche. Elle n'est pas fermée sur le dernier côté, c'est normal. Vous pouvez cependant venir faire un petit point zigzag. Voilà, moi j'aime bien le point 11 en zigzag. Je mets 3-3, voilà, je passe d'un côté, de l'autre, et je fais des points d'arrêt. Juste histoire de fermer. Ça ne change absolument rien, c'est un ourlet. Voilà. Voilà, on a fermé le bas. Est-ce qu'on peut... Vous voyez, le point zigzag, il est là. Je crois que vous le voyez, oui. Et alors, soit vous la mettez à l'intérieur du sac, donc ça veut dire sur la deuxième partie de doublure.
Alors, soit vous le mettez ici, donc à l'intérieur du sac, et pour le mettre, je vois qu'on ne voit rien du tout, pour le mettre à l'intérieur du sac, donc on prend la partie doublure et on pose d'abord la poche en mettant la partie zigzag vers le bas, on vient faire une couture et ensuite on replie par-dessus cette couture. Je crois que je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc première chose, je viens, je pique, alors je repère où est le milieu comme ceci, je marque le pli, je repère où est le milieu de ma doublure et je repère où bien sûr est le milieu de ma poche. Voilà, et je les pose l'un contre l'autre, hop, comme ceci. Je viens poser des épingles. Pose des épingles. Du coup, ici, on va pouvoir venir faire une première couture et remonter ensuite cette poche pour venir coudre de chaque côté. Alors, n'oubliez pas la distance réelle, puisque tout à l'heure, bah, tout sera cousu, puis retourné, etc. La distance réelle, c'est ça. C'est assez pour y passer une main. Vous pouvez décider d'avoir la poche un petit peu plus haut. Vous pouvez utiliser cette poche et la faire plus longue et vouloir, par exemple, y glisser un téléphone portable. On la fera à peu près jusqu'ici. Donc vous faites non pas une fois cette découpe, mais deux fois. Vous les mettez l'un contre l'autre et vous venez faire une poche pour portable. C'est possible aussi. Donc, on va décider de l'endroit où on la pose. Moi, j'ai bien envie de la poser à l'extérieur. Je trouve ça pratique, par exemple, pour un enfant qui va à la cantine. Il sort juste sa carte de cantine de l'arrière de son sac sans pour autant ouvrir son sac. Je trouve ça assez pratique. Moi, ils ouvrent leur sac, moi, ils perdent deux choses. C'est la maman expérimentée qui vous parle. Alors, il y a une chose aussi qu'on va devoir faire. Donc là, si je pose la poche, ben je le pose avant de faire l'assemblage avec le reste. Si je pose pas de poche, je pose mon premier côté et mon second côté et j'obtiens une doublure complète. Si ma poche, je la pose à l'arrière, donc je prends une partie arrière du sac, l'arrondi est toujours vers le bas et je vais poser ma poche sur ma partie sac. Et ce qui est rigolo, alors je vais voir si c'est possible, est-ce que je remonte d'un étage, voilà, en essayant de centrer peut-être. Est-ce que si je centre comme ça, ouais, alors j'ai les dessins qui suivent mais pas dans les bons coloris, là j'ai les dessins qui suivent dans les bons coloris, mais est-ce que j'ai la bonne distance? Vous voyez, s'amuser à la rendre invisible en l'incluant, vous voyez là la ligne de dessin, hop, on peut s'amuser à la rendre invisible. Du coup, personne ne sait qu'il y a une poche derrière et du coup, on ne vous prend pas vos affaires. C'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai rendu la poche invisible en suivant des lignes de dessin. Donc, on peut faire exactement la même chose. Voilà, on vérifie juste que de chaque côté, on a respecté l'espace. On monte ou on descend selon. On la positionne bien. Et on se dit, ok, ma petite poche. Alors, ça peut être de la poche pour la monnaie. Ça peut être la poche pour votre carte bancaire. Juste votre carte bancaire, vous la mettez là parce que vous prenez beaucoup l'autoroute et que vous avez besoin à chaque fois de la sortir au péage, etc. Pour les vacances, ça peut être sympa. Voilà, ça peut être juste pour être quelques petites pièces pour lancer au monsieur qui joue au violon dans la vieille ville où vous allez aller vous promener cet été. Enfin, voilà, vraiment, c'est vous mettez ce que vous voulez dedans, mais vous pouvez créer une poche invisible ici. C'est le choix que j'ai fait. Je vais mettre ma poche à cet endroit-là. Je vais juste vérifier à l'aide d'une règle que je respecte la distance de chaque côté. Voilà. Ah, c'est une plus petite poche que celle qui était prévue. À l'œil, je me doutais que j'étais pas mal. Au niveau des dessins, je suis bien. Je vais la mettre ici. Donc, puisque je vais la mettre ici, le premier endroit où je la fixe, ben, ça l'a bougé. On a dit là. Comme ça. Alors, je vais même rentrer un peu plus, moi, les dessins, pour vraiment faire une ligne invisible. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et la remontée de 1. Voilà. Donc là, je peux vraiment l'inclure dans le motif. En remontant un peu le bas. Je vais juste revérifier. Je crois que j'ai à peu près 5 de chaque côté. 5 et 5. On est bon. Donc, c'est ici que je vais la mettre. Donc, on la maintient et on l'ouvre là. Et on vient la positionner ouverte ici, où elle sera idéalement posée. Voilà. Hop.
Donc c'est là qu'on vient poser sa poche. Aussi, une des choses à faire obligatoirement en tout premier lieu. Donc ça, c'est bien la partie dos de mon sac. Donc je pose ma poche, je replie, je couds et j'ai ma poche derrière dans mon sac. Invisible donc, hein, qui se confond avec les dessins. Et sur la partie avant, qui va être... Alors la partie avant, elle est là, la partie rabat, elle est là, elles sont identiques, avec les barres arrondies. J'en prends une des deux. Et je viens poser en bas. Alors normalement, vous, vous glissez cette pièce. Hein. Moi, je ne l'ai plus. Vous venez glisser cette pièce ici, qui est la pièce femelle. Donc, vous glissez la pièce femelle dedans. Tac. Je vous le mime. Et vous venez faire comme ceci. Donc, vous trouvez le milieu de cette pièce. C'est facile. Alors, je crois qu'un arrondi est plus arrondi que l'autre. C'est pas grave. Hop. Donc, on pose la pièce au milieu, comme ceci, et on vient faire une couture d'abord en carré, puis en croix. Et vous superposez bien, voilà, les deux parties. Et ici, normalement, dans le vide, vous avez la boucle femelle. Donc, vous avez bien compris que j'en ai plus, que moi, je vais faire avec ce que j'ai, mais que je vous montre la technique. Donc, tout est identique à mon premier modèle, sauf que il n'y a plus la boucle. Mais je vais trouver un autre système de fermeture. Voilà, sorte de plan B. Donc ici, un carré qu'on va faire tout de suite. Donc je vous montre sous la machine. On passe ici, on pose bien à plat. On se met en point droit. Je rapproche la machine pour que vous voyez, puis que ce soit quand même un peu plus confort pour moi. Donc, je vais venir en point droit. Vous, vous allez être un moment gêné. Vous n'allez pas pouvoir faire un énorme rectangle. Je vous montre, moi, le rectangle que j'ai pu faire. Je crois qu'on le voit ici. Voilà, hop, 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 et croix, voyez. Il y a un moment où forcément la barre ici vous dérange. Ah, et ce qui est important, c'est que vous positionniez bien le côté un peu aminci de la boucle. Quand là, elle est doublée, donc forcément qu'il y a une marge de couture qui a été faite. Mais tout à l'heure, ma boucle, elle arrivait vraiment à ras de bord. Avant que je double en fait cette partie. Donc quand on est en bord cru comme ici, on vient bien poser la boucle à ras du bord. Alors moi qui n'ai plus de boucle, je vais venir simplement mettre certainement un pression sur cette partie et un pression sur l'autre partie et ça s'approchera avec un pression. Mais c'est bien mieux avec une boucle évidemment. Plus solide, plus fiable, puis plus fini aussi. Donc, je descends l'aiguille, je tourne. Vous allez vraiment jusqu'au bord. Hein. On essaye de vraiment coudre jusqu'au bord. Là, pareil. Donc, on rassemble bien ces deux sangles. On appuie, on coud. C'est mieux en baissant le pied de biche. Voilà, hop, on descend. On appuie. Voilà, on plie bien les deux. On coud. Et de là, je vais vous montrer avec ma pince Bruxelles, on repère l'angle et on file tout droit jusqu'à l'angle. On peut refaire une couture sur le haut. Celle-ci, ça peut être au point 11, voilà, zigzag, pour bien maintenir. Les deux épaisseurs ensemble et que ça s'effiloche pas. Dès que vous êtes arrivé à l'autre point, on repart en point droit. Donc, repartir en point droit, vous êtes obligé de ressortir l'aiguille et de la redescendre afin qu'elle se positionne dans l'angle. Vous repérez, alors, le second angle de mon carré, il est ici et on file tout droit. Alors, on peut faire un point de marche arrière et un coupe-fil. Voilà, j'ai cousu un carré et j'ai cousu deux diagonales. J'ai des petits fils qui restent, on coupe. Voilà, et là, j'ai cousu au milieu, ou quasi. Je suis en train de voir, pas forcément tout super au milieu, mais pas grave. On a cousu la partie qui va en fait servir à fermer le sac. Alors, je vais ici quand même.
si on est à peu près sur un milieu là. Oui, on est au milieu quand il y a plein de... Ouais, c'est peut-être un effet de dessin, je sais pas. Je vais prendre des mesures. Pareil, prenez des mesures. Peut-être est-ce que j'ai un peu moins d'un côté que de l'autre. Je vais de 21 à 14, ça me fait 7. Oh oui, je suis bien décalée. C'est pas très très grave. L'important, c'est que vous ayez cousu, vous, correctement au milieu, le petit rectangle là. Donc moi, là, je vais le découdre et le recoudre correctement. C'est facile, on voit facilement au dos là où on a cousu. Et ce qui est important aussi, c'est que ça, si vous le faites avant de doubler, bah, cette partie-là en forme de sablier, vous ne la verrez pas sur l'envers de votre rabat, donc sur la doublure du rabat. Si vous commencez par coudre ça maintenant et que vous posez seulement ensuite la doublure, bah, on ne verra pas ça et c'est drôlement plus joli. Alors sur l'avant du sac, on repère ici le milieu du sac. Soit on mesure, soit on plie en deux, on fait un trait. Puis ensuite, on vient de chaque côté positionner la largeur de la bande. La bande faisant 3 cm, on met 1,5 ici, 1,5 ici. Voilà, la bande, vous allez bien sûr y glisser la partie femelle qui est là. On a bien compris que je n'en avais pas d'autre. Et on va se positionner comme ceci. Donc vous ici, vous avez la partie femelle. Normalement, vous êtes un peu plus haut que moi, puisque vous, la partie femelle... C'est cette partie affinée ici qui tombera à cheval sur le rebord. Donc moi, je descends un peu plus forcément puisqu'il n'y a pas plus de partie femelle que de partie mâle et que c'est grâce à ce système, moi, que je vais fermer mon sac. Donc je dépasse plus, voilà, très bien. Et je vais venir mettre une épingle et je vais coudre au point droit. Voilà, on essaie de pas trop déplacer la sangle. On reste dans les clous. Tac. Donc la sangle, elle va venir ici et je vais faire un carré ici. Donc, quand je dis un carré, je vous le montre là sous la machine. Je crois que vous voyez, c'est ce carré ou rectangle là avec les deux croix. Donc je fais ça. Je vous montre comment on procède. Voilà. C'est parti. Donc je rapproche ma machine pour vous montrer. Voilà. C'est un tuto de campagne, vous entendez le clocher. Donc première ligne du haut, je la referai une deuxième fois, donc je redescends l'aiguille. Je la referai une deuxième fois, mais en zigzag pour éviter que ma sangle qui est en coton s'effiloche. Vous pourrez à peu près faire un carré de cette taille. Donc je fais à peu près le même carré que vous allez pouvoir faire vous. Puis de nouveau une ligne droite, planter l'aiguille et à nouveau peut-être encore un point. Planter l'aiguille et à nouveau une ligne droite ici. Et c'est là qu'on part en diagonale. Donc on peut enlever l'aiguille maintenant. On va partir en diagonale et pour se repérer, moi j'aime bien repérer le coin de mon carré et faire comme ceci. Mettre une pince ou une paire de ciseaux ou de broderie en face. Voilà, hop. Et là, moi j'aime bien repasser sur la ligne du bas, je la renforce. Voilà, et ici deuxième diagonale, et je repère le haut de mon carré ici. Je plante, et à partir de là, je vais essayer. Alors, j'aurais pu monter un tout petit point plus haut encore ici. Voilà. Et à partir de là, je vais essayer de faire toute une ligne en zigzag qui va venir en fait mordre le bord. Donc je suis en 3 et 3. Et je vais faire une ligne de zigzag qui va venir éviter que ça s'effiloche. Et je vais la faire aussi en marche arrière. Et je vais la refaire en marche avant. Je fais encore un tout petit peu de marche arrière et je m'arrête en plein milieu avec... le coupe-fil. Voilà ce que ça donne. Donc on coupe les fils qui dépassent.
ici, peut-être aussi des fils de l'autre côté. Voilà, ici. Donc, on a bien notre carré là avec la croix, puis au-dessus, on a fait des zigzags pour pas que notre bande s'effiloche, notre bande en coton. Donc ça, c'est pour la partie du haut. On est obligé de venir replier ça comme ça. Alors, c'est pas très facile avec des épingles. Moi, j'utilise du scotch. Je passe juste un petit peu mes doigts derrière pour le rendre un petit peu moins collant. Il n'y a pas besoin que ce soit collant à vie plus quelques jours. Voilà. Et on vient mettre du scotch comme ça ici. Juste pour remonter cette partie, le temps de venir faire. Donc, je vous montre. Je crois que j'ai été radine en scotch. Donc, voilà, je remonte avec du scotch. Donc, vous aurez la boucle qui sera remontée. Et je viens mettre endroit contre endroit. Donc, pas la partie avec une poche, mais bel et bien la partie qui me reste, qui n'a pas de poche. Endroit contre endroit. Et je viens faire tout le tour. Alors, vous, dans le kit, vous aurez en plus un passepoil que vous pourrez glisser entre chacune des coutures de l'extérieur. Donc, sur le rabat et sur tout l'extérieur de la pochette. N'ayant pas ce passepoil à portée de main, je fais 100, donc je fais quelque chose d'assez classique en fin de compte. Mais bien sûr que ce sera plus joli avec un passepoil. Un passepoil rouge, je crois, vous est fourni par exemple avec ce tissu. À la demande, hein, vous pouvez changer de couleur de passepoil. Mais vraiment rouge, c'est super sympa par rapport à ce tissu. Voilà. Donc les kits, c'est chez RL et le patron, c'est sur le site des bobines patterns. Et je vous mets tous les liens en bas de la vidéo. On travaille tous les trois. RL pour les kits, les bobines pour le patron et le cahier technique. Il y a un cahier technique très très élaboré et moi pour le tuto. Donc je vais venir faire une couture tout le tour à 0,5. Alors à 0,5 ou à 1 si vous êtes sûr de vous. Mais si vous le faites à 0,5 quand vous avez un passepoil, c'est pas mal. Si vous la faites à 1, c'est que vous ne mettez pas le passepoil. Alors 0,5 c'est mieux. Donc, quand vous mettez le passepoil, généralement, vous avez l'extérieur du passepoil qui est là et le boudin du passepoil qui est plutôt à l'intérieur que vous coincez. L'idéal étant, si vous posez un passepoil, d'utiliser ce pied. Donc, on visualise bien. Je vais vous le mimer avec un petit bout de biais. Alors, on fait comme si ça, c'était un passepoil, d'accord? On mettrait le boudin du côté intérieur du sac et puis on mettrait sur l'extérieur du sac le côté ouvert du passepoil et on viendrait coudre juste ici tout autour et c'est pour ça qu'on coudrait à 0,5 pour laisser le boudin sur la gauche et vaudrait même mieux coudre avec le pied de biche que je vous ai montré. Moi je peux coudre à 1 cm puisque de toute façon je n'ai pas de passepoil et que je vais faire une sacoche un peu plus sobre. C'est parti. Voilà la couture que vous devez obtenir, pardon, tout autour. Voilà, on fait bien les arrondis. Et après, dans les angles, soit on vient amincir l'angle, soit on vient cranter. Alors, cranter, c'est enlever de la matière. On enlève des petits triangles, comme le motif d'ailleurs. On enlève des petits triangles dans les angles pour faire qu'il y ait moins de matière. Quand je dis des petits triangles, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère non plus. On fait juste attention de ne pas aller trop près de la couture. On s'en approche, mais on ne va pas jusqu'à la couture. Voilà, on crée juste des petits triangles. Et ce qui va permettre, quand on va retourner notre rabat, bah, d'avoir un très très joli fini au niveau des arrondis. Vous voyez ? Ça, ça suffit. Alors, ce qu'on peut faire, quand on a déjà fait ça, c'est venir les raccourcir. Voilà, mais on garde les angles. Raccourcir un peu ici. Raccourcir un peu ici. Voilà. Donc de nouveau ici, je vais venir enlever des triangles. Le plus grand triangle, on essaye de le faire dans le coin. Voilà. Ensuite, on enlève un autre par ici. Voilà. On fait attention de bien aller jusqu'au bout à chaque fois, mais sans aller jusqu'à la couture. Voilà. Et même chose ici. Alors. Ensuite, on peut venir affiner ici, un peu couper nos triangles et affiner ici. Et là, on obtient quelque chose de propre.
Et donc, quand on va retourner, donc ici, vous vous rappelez, j'avais mis ma boucle et je l'avais remontée. Quand on va retourner, donc on va libérer le scotch de la boucle. Vous, vous avez une boucle. Moi, j'en ai pas, on l'a bien compris. Hop. Déjà, on a beaucoup de chance parce que je peux faire carrément deux créations, enfin deux pochettes dans la toile qui vous est fournie. Alors oui, il faudra racheter une boucle en supplément du kit, mais vous pouvez carrément en faire deux avec un seul kit. Voilà. Sachant que sur l'autre, j'avais utilisé plus de tissu doublure que de prévu, puisque j'avais fait l'avant en doublure et j'avais mis deux fois la pièce, j'avais fait une triplure. Donc, on fait bien attention de bien sortir ses angles. Voilà. Hop. Voilà notre abat. Alors, ce sera plus joli de venir faire une surpiqûre tout autour en faisant rouler le bourrelet vers le dessous. C'est-à-dire que quand vous cousez votre surpiqûre, vous cousez à 2 mm et vous venez bien repousser. Vous voyez ça là? Vous le repoussez en dessous. Voilà. Et au fait, comme si vous étiez en train de repasser, il ne faut pas qu'on voit lors de la surpiqûre le tissu de la doublure. Donc vous venez faire tout un tour ici. Donc cette fois-ci, voilà, je me mets au point droit. Je suis vraiment très très au bord. Alors dans les virages. On y va doucement, on sort bien, bien, bien son arrondi. Voilà, en travaillant bien. Plus on sort l'arrondi, plus le rabat sera joli. On peut venir un peu chercher l'arrondi comme ça, avec sa pince, parfait. Et maintenant, tout doucement, on peut baisser la vitesse. Hein. Pas exagéré. Voilà. On va vraiment coudre bord au bord au bord au bord. Et on pivote tout doucement. Voilà. Je suis un peu sortie du champ. Hop, je retourne, c'est pas grave. Voilà. Ça va être un peu plus compliqué ici. Je vais aller au plus loin possible avec la surpiqûre en m'approchant. Voilà, quitte à passer moi sur le bas. Vous pourrez peut-être aussi le faire, ça dépend si comment vous avez posé votre boucle. Là, pareil, je vais essayer de bien bien sortir mon ongle. Et on fait tout le tour comme ça.
Donc on vient prendre cette petite partie sangle d'environ 14-15 cm. Vous la pliez en deux, mais vous glissez au préalable la partie mâle. Voilà. Et vous venez la fixer comme ceci. Donc pareil, on repère son milieu. Hop. Et on la met à cheval sur le milieu. Et on prend des mesures pour vérifier qu'on est bien au milieu. Ici. Et on va vérifier de chaque côté en mesurant. Si on la trouve un petit peu trop à droite, un petit peu trop à gauche. Pour moi, là, c'est centré à l'œil. Maintenant, je viens vérifier. Je vous montre. Ici. Donc là, j'ai centré la partie là. Vous, ici, vous avez la partie mâle. Vous venez vérifier de chaque côté qu'elle est bien centrée. Et vous venez la précoudre avec un point à 0,5 du bord. Alors, j'ai de nouveau fait plusieurs allers-retours afin de bien fixer la bande sur laquelle vous avez la partie mâle qui est ici. D'accord ? Vous avez ça ici, vous. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Pareil, vous venez scotcher, puisque vous avez la partie mâle qui risque de vous déranger. Vous venez scotcher ça. Comme ça, vous, il y a la boucle en plus ici, et vous venez faire endroit contre endroit avec la partie où vous avez mis la poche. Donc moi, je n'ai plus qu'à fixer ma poche, et on se rejoint tout de suite. Alors maintenant, on va voir la petite partie porte-clés. La partie porte-clés, c'est très simple. Voilà, je vous positionne ici. Donc on fait un premier repli d'environ 1 cm qu'on marque. Bien. Voilà. De l'autre côté, même chose. Premier repli d'un centimètre. On peut aussi marquer au fer. Hein. Voilà. Pour des matières comme ça, on fait un peu attention. On fait une petite pâte mouille. C'est des matières un peu enduites. Voilà. Ok, donc on a fait deux plis. Vous voyez, quand on retient là de chaque côté les plis, on est bon. Et là, on va passer donc soit un anneau de porte-clés, soit un anneau en D. Voilà. Hop, on passe toutes les petites pinces. Comme un casse-tête de patience. Hop. Et encore une. Et on arrive au milieu. Et les petites pinces qu'on a mises tout autour en mettant bien bord à bord, et eh bien on vient pincer de chaque côté comme ceci, en mettant bien les deux replis à l'intérieur. Voilà, repérez-vous par rapport au dessin. Voilà, cachez bien les motifs de la ligne précédente comme ceci, si vous avez utilisé le même tissu que moi, et c'est possible puisqu'Irel vous le fournit dans le kit si vous le souhaitez. Et on tire bien au niveau du rond et on vient fixer la dernière pince. Il y a plusieurs toiles hein, disponibles. C'est vrai que celle-ci, elle est top pour ce projet, que ce soit pour un homme ou pour un ado. Voilà. J'ai des ados et des jeunes hommes autour de moi à qui j'ai demandé, ça leur plaît beaucoup. Une dernière petite pince ici. Voilà. Et on va venir coudre une couture nervure. Alors, le haut, on a le droit de venir faire, voyez, des petites dents comme ça au bord. Voilà. Ici. Et le reste, on vient faire une couture nervure en descendant le plus bas possible, correctement, bord à bord. Et on aura créé le porte-clés. Je vous montre dès qu'il est fini. Voilà, donc le petit porte-clés, rien de plus simple. Il peut être plus ou moins long selon que vous souhaitiez avoir les clés plus bas ou plus haut dans votre sac. Moi, je vais peut-être le raccourcir un petit peu quand je vais l'insérer tout simplement dans le sac pour qu'il y ait la bonne longueur sans que ce soit trop. On aurait pu faire beaucoup plus long pour dire de même laisser carrément le porte-clés dessus quand on veut juste ouvrir sa porte d'entrée, d'avoir une tige assez longue. Enfin, on fait vraiment comme on a envie. L'important, donc vous avez des tailles de pièces, mais vous pouvez les allonger ou les raccourcir. L'important, c'est d'avoir deux coutures nervures de chaque côté. Ensuite, on va faire le protège-épaule. C'est très simple. Endroit contre endroit. Donc là, d'un côté, j'ai des petites dents. Puis de l'autre côté, je vais vraiment avoir des petites pointes. Voilà, on travaille pareil. Hop. Donc,
endroit contre endroit. On va venir juste replier ici environ d'un centimètre. Et même chose de l'autre côté. On met des pinces. Voilà. Et ici, voilà, même chose. Hein, on plie, peu importe. Environ un centimètre. Ce qui compte, c'est de plier autant de chaque côté. Voilà. Comme on a fait des petits crans, bah, ça ne va pas se filocher. Et en deux coutures, on a réalisé notre protège-épaule. Donc, on vient coudre à un centimètre du bord. Voilà, tac. En maintenant bien les deux replis, point arrière, point avant. C'est parti. Même chose de l'autre côté. On va jusqu'en bas. Alors, on peut venir... Ah, je me suis trouvée en panne de filet. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand vous avez cousu les côtés, vous pouvez venir faire un petit peu de crantage. Ça va être plus simple pour le retourner. Parce que oui, ça, il va falloir le retourner. Moi, je vous conseille de le faire comme ça, c'est-à-dire de sortir au fur et à mesure le milieu de l'intérieur, comme ceci. C'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus simple que de bourrer ou de retourner. Quand on arrive vers la fin, on peut pousser un peu avec la gomme d'un crayon à papier, par exemple, un bout arrondi. Mais ça marche très bien comme ça, hein, pour retourner. Donc, je finis de retourner parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et je vous montre. Voilà, dès qu'il est retourné, vous glissez tout simplement bah, sur la bandoulière hein, qui va être l'anse du sac. Je vais mettre à peu près au milieu. Alors, il me reste une petite bandoulière hein, puisque j'ai fait deux projets avec. Vous avez en tout 3 mètres de bandoulière. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire. Donc là, ça va être une sacoche un peu plus courte. Bah, pourquoi pas pour un ado. Ou alors, elle va tout simplement être un peu plus haut sous le bras que la première. C'est pas très très grave. Et ça protège vraiment... Soit au niveau du cou, si vous l'avez autour du cou, soit au niveau de l'épaule. Voilà. Donc, la petite protection ici, le cache-épaule qui est terminé. Alors, pour la bande autour du sac, moi en fait, je la coupe en deux. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que de chaque côté de mon sac contient un motif. Exemple, là, des petits triangles. J'aimerais bien que tous les petits triangles soient vers le haut. Donc, je vais mettre endroit contre endroit, triangle vers le haut. Et je vais venir faire une couture vraiment proche à 0,5. Voilà. Ici. Je reprends les fils. Voilà. Donc, je fais une couture assez proche à 0,5. Et en fait, je les mets bien endroit contre endroit. Et du coup, j'aurai vraiment de chaque côté du sac les triangles dans le bon sens à chaque fois. Donc, marche arrière. Hop et hop, du coup voilà, moi ma bande, les triangles partent de chaque côté et en fait ça va m'aider à repérer mon milieu de fond de sac. Voilà, on ouvre bien la couture, c'est facile hein, avec ce soit avec la pointe du ciseau, soit avec les ongles, on arrive bien à presser en fait. Et on vient au fond du sac, donc on repère notre milieu de sac. Voilà, moi j'avais la piqûre ici, là. Donc, pardon, je suis sur la doublure. Donc, sur notre sac. Quand vous avez terminé de monter tout le corps extérieur du sac, vous faites des petits crans dans tous les arrondis.
et vous retournez le sac sur l'endroit en sortant bien les arrondis comme ceci. Donc on fait bien attention, on sort bien ses arrondis. Voilà, et on va laisser cette partie de sac sur l'endroit, tandis que l'autre, on va la laisser sur l'envers. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va venir déjà fixer sur notre partie sac un des côtés de la bandoulière. On vient le fixer ici. Petite pince. Et on va jusqu'à l'autre côté, on fait tout le tour du sac, tout le tour du sac, tout le tour du sac. Donc la bandoulière là, elle sera courte, c'est pas très grave. Et ici, en centrant bien la bandoulière, on met une pince. On vient rajouter par-dessus la bandoulière. Donc vraiment, vous avez le corps du sac extérieur, la bandoulière, et vous venez fixer dessus le porte-clés. En centrant bien le tout. Voilà. Et vous avez ici à l'extrémité la partie protège-épaule. Cette partie protège-épaule, la première chose que vous allez faire, vous allez la sortir. Voilà. Vous prenez la doublure sur l'envers et vous venez sortir cette partie protège-épaule par le trou de la doublure. Vous glissez tout le sac à l'intérieur de la doublure comme ceci. Voilà. Et vous allez venir aussi fixer contre le dos du sac, moi c'est où il y avait la poche, la partie rabat en mettant le côté envers du rabat vers vous, glisser comme ceci à l'intérieur de la doublure. Donc, je vais pincer mon rabat et mes coutures bord à bord. Voilà. De l'autre côté, même chose. Je pince mon rabat et mes coutures bord à bord. Voilà. Vous voyez, là on voit bien la couture de la doublure. Je pose le rabat le long de la couture de la doublure, puis je pose le côté extérieur du sac au niveau de la couture, et c'est là que je vais mettre une pince. Voilà, ensuite j'ai plus qu'à pincer tout le tour. Voilà, la partie doublure, alors devant c'est noir contre noir, la partie doublure avec la partie sac. Voilà, je mets bien des épingles tout autour. Hop, je viens tout prendre en sandwich. Je vérifie que c'est OK. Je me mets ensuite couture contre couture. Voilà. Et une pince ici. Alors, de ce côté-là, c'est où j'avais juste la bandoulière. Je mets la pince autour. Et trois épaisseurs. Tout à l'heure ici j'avais quatre épaisseurs, puisqu'ici en sandwich j'ai également mon porte-clés. Je mets bien couture contre couture. Alors je tombe en panne de petite pince, je mets une épingle, c'est pareil. Alors j'en ai une là. Hop, une petite pince. Et je viens coudre tout autour du haut. Donc on peut aussi mettre des pinces ou des épingles ici. Voilà, je viens coudre tout autour du haut à 1 cm. Donc, je vais libérer le bras de ma machine. Comme ceci. Je vais approcher ma machine pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Et je vais en fait glisser le sac sous mon pied de biche. Et je vais coudre tout autour, à chaque fois en maintenant bien les tissus les uns avec les autres. Je couds donc sur la partie doublure et j'ai fait sortir par le bout du sac l'anse. Et à chaque fois, je positionne bien mes tissus et je couds et je fais un tour complet. Quand j'arrive sur des endroits où il y a par exemple des bandoulières, je fais plusieurs allers-retours. C'est parti!
Donc là, je vous montre, en fait, j'ai fait tout le tour du sac. Alors, je vous remonte vite fait. Je vais couper là.